Chaque jour, bon Dieu fait jour, la police nationale occupe béton pour camper en face mal pour Ontio. Les policiers ont tout campé. Baja, c'est un policier qui prend moi comme référence pour mal bailler mon combat de sécurité, mais pour sécurité. Et puis, il va me faire couper, Et puis, je vais me faire mal poté là, mon compagnon, il a dit que je vais pouvoir recevoir après les relais. Oui, non, métro sécurité. Vous pouvez passer aux policiers là? Non, mal en métro, moi de mon référence, comme un policier, comme une référence. Et puis moi prends un badge, les bons badges là, je fais couper, je vais là, je vais me dire, mais pourquoi recevoir pièce? Là, recevoir pièce, je vais. Et puis, moi-même, je dis que bel poulet, au moins de l'autre. Pour que tu aies dans main? Non, moi, je vais te dire, moi. Moi, je dis ça déjà, et cagoule, c'est pour cagoule le policier. Nous assistons aussi à un autre événement dans le quotidien haïtien, son phénomène de cocktail Molotov. Et côté, il y a plusieurs victimes. Et des situations ça, c'est des bagages que nous pas connaître et dans quotidien nous. Et pour répondre à toute situation ça, le commandement est lancé depuis début mois de novembre une opération que le baptisé toile d'araignée et côté différentes unités de yoté vienne renforcer différentes unités pour permettre yoté adresser genre des questions ça. Et c'est ça que fait jodi à nous en mesure et pour nous dire qui travaille la police réaliser non seulement de mois d'octobre en avant. Et opération toile d'araignée a été lancée et début novembre depuis toile d'araignée a lancé à Konya. Et direction centrale police judiciaire comme sont parlé nous port avec détention et illégal d'armes les plus récurrent. Donc direction centrale police judiciaire en date du 16 octobre est arrivé arrêter Lucien Dor pour port et détention illégale. Et il était interpellé aussi les nommés Fredson Désir, alias Bibi, Marc Aurel Jambon, Félien Casimir et James Neptune. Tout le monde, c'est des gens qui ont des armes illégales en possession. Dernier, il y en a un autre cas encore, c'est le cas de Jacques-Yves Sébastien Durozo. Que en date du 12 novembre dernier, M. Sa a été sorti aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol American Airlines. Côté, il a arrêté M. autorité douanière de concert avec autorité policière et il a procédé à l'arrestation avec ensemble de armes que nous avons gardées là. Et ainsi, il y a un monde qui est venu chercher l'aéroport. Donc la police est arrivée procéder à l'arrestation de Mounsayo et le commissaire du gouvernement Kwade Boukeya, c'est lui-même qui a saisi des dossiers ça le jour même et dossier ça jusqu'à présent, li nan men la justice pour suivi. Gagnez, nous rappelons, en date du 20 mai 2019, assassinat policier Oscar Jacques Junior. Policier ça, il était assassiné. En date du 20 mai 2019, une fois et de CPJ te saisi, donc te gen unité qui occupait de gens d'enquête sa yo, qui te saisi des dossiers sa yo, et c'est comme ça yo te arrivé à arrêter Champagne Changlais, Désir Richcard, qui c'est deux moun sa yo qui gen pouwè avec la mort policier sa yo, et yo te acheminé yo par devant autorité de justice pour capable dire le droit. Nous rappelons nous tout la mort Robert Omuska. Robert Omuska, c'est un agent 4 qui était en détachement avec un VIP. C'est comme ça qu'il était accompagné de la dame Jeannette Pierre et tu as gagné un bandit dans la zone Gantier qui était assassiné li et il était carbonisé. Une fois que le CPJ a saisi des situations, il a travaillé sur le dossier. C'est comme ça le 3 novembre dernier, il a arrêté Martine Sophia Demosthène. Alias Soso, Elmaz Jean, alias Marimat, et Ricardo Gentil, alias Boujoli. Donc, ils ont été interpellés tous les trois, Mounsayo, parce que ils ont joint
soit directement ou bien indirectement implication yo dans la mort policier Robert Omuska et la DCPJ a travaillé sur dossier ça yo pour acheminer yo par devant autorité judiciaire yo. Depuis quelque temps dans zone Tomazo gagnen yon groupe gang qui baptisé tête yo les 400 Marozo et y a opéré et grand pile moun qui victime et des situations groupe ça groupe armé ça et nous rappelons tout récemment yo té procédé à kidnapping plusieurs moun et tu attaqué et plusieurs étrangers qui t'a fait route là et c'est comme ça et DCPJ té fait une descente des lieux et dans zone ça monsieur yo malheureusement yo té gantan couru mais DCPJ té unité DCPJ quand même té rivé saisi yon fusil de calibre et 22 de marque Ruger que nous sommes prend là nous sommes gardé donc mais DCPJ toujours a compilé et des informations qui pour permettre en temps et lieu li mettre dans main en collecte et moun qui fait partie gang ça tant qu'on te dit nous c'est pas seulement unité DCPJ et qui te travaille dans cadre opération toile d'araignée mais tout gen plusieurs l'autre unité et différentes sections départementales pour les judiciaires youtou qui étaient à l'œuvre qui étaient à pied d'œuvre et tant comme ça dit nous tout à l'heure gagne un phénomène de lancement de cocktails Molotov et nous rappelons nous dernièrement le citoyen t'a pral victime dans transport en commun sous champ de masse là côté Mounio bandio t'a lancé cocktail Molotov et bien la police pat croiser les bras par rapport à un phénomène comme ça et que le tap travail sous phénomène là et jour qui était 18 novembre en pleine séance de manifestation côté plusieurs groupes étaient sortis pour te manifester et bien c'est comme ça yo t'ap ral arrêté et Dorival Emmanuel que n'ap gardé là qui gen maillot gris qui en gris l'autre bord là avec plusieurs bouteilles cocktail Molotov en possession. OK, plusieurs bouteilles cocktail et Molotov en possession alors que la police gagne des informations que moun ka fabriqué cocktail Molotov sa yo, yo exprimé yo sous espace public là parce que yo attaqué des ambassades. Nous songe récemment yo té attaqué ambassade Canada, yo té attaqué l'autre ambassade encore, yo attaqué espace privé avec espace public, Unibank par exemple et l'autre espace et maison privée dans Pétionville. Donc nous wè tout désordre que monsieur sa yo té fait. Konya la Dorival Emmanuel plus l'autre monde que la police a recherché et a disposé des informations sur y a recherché yo Emmanuel Dorival a la police a cuisiné le connait pour expliquer dans quelles circonstances ambassade ça yo espace privé ça yo et espace public ça yo a subi genre de situation ça yo que nous pas nous même en Haïti que nous pas connait dans quotidien nous gagné aussi Philogène Alex n'a pas gardé monsieur là, il est habillé en bleu et gris. Parmi cinq monsieur ça nous qui campé là. C'est Philogène Alex, il était joint monsieur Kagoulé en date du 18 novembre. Il était utilisé un flash que il était travaillé pour faire passer pour un revolver et l'a pas expliqué côté le joint badge un policier que il fait copie badge là et il plastifier lui et qu'il fait passer pour un policier. Donc monsieur était après la manifestation et c'est comme ça la police dans Delma bien sûr est arrivé procéder à arrestation et maintenant moi prends le soin pour me pas nommer un policier pour l'instant parce que enquête pour qu'on révéler si oui ou non les coupables de situation ça mais maintenant Alex Philogène a bail la police explication dans quelles circonstances soit badge la police là à un moment de la durée il était dans mail ou du moins comment il faire rentrer en possession pour le gain copie badge là. Tout récemment, avant-hier, et la police dans Pétionville et plus précisément la police dans Thomasin et mené une opération côté à 1h du matin, il était recevoir une information côté gagné 3 individus à bord un véhicule Vitara Isuzu Grand Vitara. Et monsieur yo t'a pral casser un caille et nous tout fait photo là nous garder nous pied de biche nous des pincettes et des instruments qu'on utilisait pour défoncer des portes monsieur vole les véhicules ça et yo t'a pral opérer
une fois la police dans Thomas Saint est informée, immédiatement yoté rendu sur les lieux. Donc la police rivé, malheureusement monsieur yo yoté tiré en direction de la police et en échange de tir avec la police est arrivé stopper tous les trois messieurs sa yo et malheureusement yo atteint mortellement. Toujours dans le cadre opération fil d'araignée que commandement lui-même lui mettait en place là, la police n'a pernier rivé procéder à arrestation Jean Examen, c'est monsieur ça nous ouais qui gagnait qui tout de noir vêtu qui n'a mis en là qui tout de noir vêtu. Nous rappelez-nous très bien semaine dernière comment un véhicule police dans Torcel t'a brûlé poignard ça nous ouais dans mes examen hein? Monsieur son élément qui fait partie de un gang qui a évolué dans Pernier et dans Torcel. Gang ça li dirigé par Innocent Vite l'homme. C'est monsieur ça qui dirige gang ça qui travaille dans dans Torcel avec dans Pernier. Poignard ça nous ouais la police joine dans main examen Jean examen. C'est avec poignard ça li crevé toute caoutchouc machine qui a passé dans zone ça. Et c'est monsieur qui t'est tiré dans tank et machine police là et ensuite mettre du feu là-dedans dans Torcel. Donc nous tout le monde était capable la presse t'ai remarqué ça. Donc yo t'ai mettre du feu tout dans un bac loader qui appartenu à ministère travaux publics transport et communication parce que tout simplement bac loader ça il était venu pour te débarricader zone là et puisque tu es venu pour te débarricader zone là donc groupe dans zone là pas d'accord ça. Yo te mette du feu dans machine la police là et yo te brûlé bako l'odeur actuellement et Jean examen li nan men la police et sans pile moun nan zone nan ki victime et des situations ça et qui t'a en pointé zone ça soit ou pas connait et y a tombé et dans situation ça et malheureusement grand pile moun yo crevé caoutchouc. Gagné aussi le nommé Charles Jonki, yo arrêté monsieur dans Delma 47 hier dans manifestation hier yo et monsieur était en possession de 11 armes fictives. Gagne tout petit goave, la police possédait arrestation de Joseph Racine dit Célide, Jacques Lindor, Benson dit Fat, Innocent Élisée dit Zéro, tout ça m'entendez nous dit Dio c'est des moun sa yo qui bay tête yo non sa yo, Janvier Emmanuel dit Mano, Joseph Souline pour trafic illicite de stupéfiants. Gagné Blaise Saint-Cal, un jeune de 17 ans. Blaise Yves Dor. Monsieur là, il est habillé en rouge et jaune. Mais les amis là, un jeune de 17 ans. Monsieur te gagne deux filles accompagner lui. Donc il était à bord et un véhicule Lexus de couleur beige, plaque BB 75-168. Monsieur était en possession d'une arme illégale et que il était tiré en direction de la police. Zame ça c'est un 9 mm Smith & Wesson. Donc la police l'a arrêté lui. Maintenant la police a cuisiné lui pour expliquer provenance zone ça zame ça et dans qui gang il appartenu qui fait capable armé illégalement. C'est autant et d'intervention de saisie d'arrestation et que la police fait à travers les 10 départements géographiques du pays. Et si nous besoin tout ça me sous dit là yo, même si me pas prendre le temps pour me bailler tout, si nous besoin tout ça me sous dit là yo en chiffres, nous capable dire que la police à travers le pays de d'octobre à date, li interpellé 221 personnes, li saisi 4 véhicules, nous capable ajouter un 5e à partir et du véhicule du jeune que nous sommes parlé là, 5 véhicules. Li saisi 16 pistolets, 6 fusils d'assaut, ça va en tout 23 armes, 12 armes artisanales, parce que nous avons des gens qui rencontrent tout avec des armes que nous fabriquons eux-mêmes, 524 munitions, cartouches, 6 chargeurs. C'est ensemble de matériel
que la police saisit dans le cadre d'opération que le menait. Et principale infraction que nous reprochons tout le monde que nous interpellons, il y a qui éventuellement déjà acheminé par devant la justice, mais il y a que la police encore a posé question, c'est meurtre, assassinat, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, port et détention illégaux d'armes à feu, vol, viol, destruction des biens publics et privés, trafic illicite de la drogue, bris de vitres des véhicules, etc. Donc, c'est ensemble de travail que la police rive fait. Évidemment, nous connaissons tout ça, pas arrêté sans conséquence. Donc, ils ont impacté soit positivement les biens et les vies, donc soit négativement, ils ont impacté négativement les biens et les vies. Et c'est comme ça, moi, en mesure tout, pour me dire que dans la population, parmi les policiers, nous avons 51 policiers qui sont victimes. Soit ils mourent par balle, et dernier cas en date là, c'est cas Richardson, agent Udmoa, pas vrai, dans Chalon, dans Nip. Soit ils sont blessés avec balle, soit ils sont blessés avec des jets de pierre, soit ils sont blessés dans l'accident, soit ils ont subi des agressions physiques. Et c'est 7 de date, moi dis nous là, à Konya qui mourent par balle, et c'est 18 et qui blessés par balle. Et c'est 13 qui sont blessés par jet de pierre. En tout, d'octobre à date, nous avons 51 policiers qui sont victimes. Alors que dans la population civile, là, nous avons d'octobre à nos jours 87 personnes que le centre de renseignement opérationnel et la police là arrivé compilé comme données comme personnes qui mourent. C'est 187 et 9 personnes qui mourent par âme blanche. Nous avons des personnes qui ont décapité. Gagne 3 cas de lynchage et gagne 4 cas de lapidation. Ça baille en total 104 personnes qui sont victimes dans la population civile, là, plus 51 personnes dans la population. Alors, bon côté policier, en fait, ça baille 154 personnes en tout que nous gagnons qui sont victimes d'octobre à nous. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Non, il va pas pour moi. Il est pour moi. Il est pour moi. Même parce que c'est pour moi. Policier, il est. Policier, il est dans ma chute. Non, lundi matin, je m'a porté pour me porter le bali dans 40 pays. Et puis, madame, il y a un ami qui m'a déposé dans 30 ans. Il m'a déposé dans 30 ans. Il m'a déposé dans 30 ans. Et puis, je viré pour me porter. Pendant que je campais, pour me virer pour me porter le bali dans 40 pays. Et puis, les policiers ont tout campé. Badja, c'est un policier qui prend moi comme référence pour m'aider à nos compagnies de sécurité, mais pour sécurité. Et puis, il va me faire copier, et puis je vais me faire mal poté là en compagnie, il dit que je vais apprécier après les relais. Oui, non, métro sécurité. Vous pouvez passer aux policiers là? Non, mal en métro, moi de mon référence, comme un policier, comme une référence. Et puis moi prends badge, li bon badge là, me fait couper, me mettre là en compagnie, me dit mais on va recevoir pièce. Là recevoir pièce, m'a porté là. Et puis moi même moi du table pour l'air au monde de lui cagoule dans main. Non, moi pas de une pour moi. Moi dis ça déjà.